care what you think. Don't be alone inside of this. Bien, salut à tous les amis, c'est Clem, j'espère que vous êtes tous super bien pour avoir ça, nickel. Alors, on se retrouve sur un petit Call of Duty Black Ops 2. Donc nous serons en AV1 avec une personne qui m'a demandé en ami comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon bref, pourquoi pas un peu le tester, voir un petit peu en AV1 un petit peu ce que ça donne. Bon, à la base c'était pas pour faire des AV1, c'était plutôt pour tester des customs sur Call of Duty World at War. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas quand même essayer. Donc nous sommes sur Call of Duty Black Ops 2, donc on est bien évidemment sur la map Nocturne, bah voilà comme d'habitude, hein, le classique des AV1. Cela ne change pas, bon faut savoir que j'avais quand même un petit level, voilà, le mec il... Il était franchement pas mal. Au début c'est lui qui menait, voilà, au début il me battait. Après j'ai quand même réussi à lui mettre une petite marge d'avance. Mais bon bref voilà, donc c'était une petite game au sniper. Donc comme camouflage là j'avais le nouveau là, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Enfin non pas le nouveau, enfin le nouveau que je me suis pris, excusez-moi, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Enfin bon, en tout cas je le trouve un petit peu stylé, n'hésitez pas à me dire par exemple en commentaire ce que vous en pensez. Donc bref voilà, donc avant de commencer je devais déjà parler un petit peu de 2-3 chaînes YouTube avant bien évidemment de faire votre pub, parce que dans de prochaines vidéos je vais faire les pubs pour certaines chaînes YouTube. Bon pour certaines hein, voilà, je vais pas faire des pubs pour tout le monde hein, parce que sinon je vais pas m'en sortir les gars, là on va pas se mentir, sinon j'irai pas. Donc bien sûr à commencer par Hydra Atomic, voilà comme d'habitude, voilà on commence par lui. Alors des fois, quoique des fois c'était Xeros ou Luigi, enfin parce qu'il a changé de nom, enfin bon bref on s'en fout. Donc on commence par Hydra Atomic qui lui est sur Black Ops 2 juste... Alors attendez, comment est-ce qu'on pourrait définir Hydra Atomic sur Black Ops 2? A mon avis je pense qu'on pourrait dire que c'est un monstre. Voilà, à mon avis on peut dire que c'est ça. Le mec c'est un dieu en fait. Et quand tu vas sur sa chaîne en fait tu ne trouves que des nucléaires, je te promets, il n'y a que ça. Le gars mais c'est un carnage le mec ce qu'il te propose, je te promets, c'est un vrai tueur. Donc bref, bien évidemment sa chaîne sera en description, tu peux aller t'abonner, liker ses vidéos, puis même lâcher un com, ça lui fera plaisir et ça me fera aussi également plaisir à moi. Voilà, ensuite bah, Xeros, voilà, donc mon pote qui fait également des vidéos sur Critical Ops. Non, okay, ça va, c'est bon, j'arrête. Et sur Five Nights at Freddy's, les démos. Voilà, bref, on n'en dit pas plus, la chaîne également dans la description. À WarV, également à DevGamer. Il y avait qui encore? Ah bah attends, il y avait tout simplement un autre, comment dire, exterminateur sur Call of Duty que j'ai rencontré. Bah, c'est bien évidemment Luxon Gaming qui lui joue beaucoup au sniper. Enfin, dans ses vidéos, il propose beaucoup de sniper. Donc, mec, ne fais pas de commentaires sur mon niveau sniper, s'il te plaît. Je sais qu'à côté de toi, je fais bien pitié. Voilà, mais bon, s'il te plaît, hein, ne m'enlève pas mon peu de dignité, je te remercie, mon pote. Donc une grosse dédicace à toi. Le mec, c'est juste un putain de boucher au sniper. Le gars, je te raconte même pas les carnages. Il te sort les quatis, les second screen, machin. Mais pff, moi, quand je suis sur sa chaîne et qu'il te sort une vidéo sniper, mais. Le mec en fait t'as l'impression qu'il aime bot en fait le gars. Tellement qu'en face les mecs ils te les aillent. Enfin bref je te jure c'est juste un putain de carnage. Donc voilà, sinon j'avais fait à peu près toutes les dédicaces. Ah non il y avait aussi Thriller, il me semble que c'est ça le pseudo. Bref un abonné qui me suit. Et je vais peut-être probablement même, excusez-moi, très probablement faire des vidéos avec lui sur du Call of Duty Infinite Warfare, que ce soit du zombie ou du multijoueur. Bon à mon avis ce sera plus pour du zombie. Donc bon bref voilà, on va se faire des vidéos ensemble. Je vais également faire plusieurs avec Captain Obvious. J'ai rencontré des gens sur Black Ops 2. À qui je vais pouvoir en faire également, voilà des joueurs zombies, etc. Ça pourra être sympa si bien sûr ils installent Skype, hein, parce que bon, sinon ça va être chaud, parce qu'ils ont pas Skype, donc pour communiquer c'est un peu dur, c'est ce que je veux dire, enfin bon. Bref, voilà, donc sinon bah, toutes les dédicaces sont à peu près faites. Je suis désolé si vous attendez ce que vous en fasse une et que je vous ai oublié. Je vous en ferai une dans la prochaine, donc, au pire vous me foutez ça en commentaire, et puis bref, voilà, voilà. Donc, attendez, là je gagnais combien? 27 à 14, donc voilà, j'avais quand même une petite marge d'avance, hein, toi, j'avais plus de 10 kills d'avance, donc bref, voilà, la game se terminait à 35 kills, comme d'habitude, j'avais encore plus, après, j'ai encore plus quelques infos à vous poster. Bon voilà, faut savoir qu'après, il a un peu remonté, parce que là, au début, il était pas chaud, le mec. Après, il a un peu remonté, toi, parce qu'au début, en fait, quand on a fait le premier 1v1, il était là. Ensuite, ça a commencé à monter. Et puis, bon, à la fin, il était quand même balèze. Bon, il me rentrait des putains de beaux kills, des fois, le mec. Mais, voilà, je te promets, c'était beau. Et pour ceux qui se disent, ouais, bon, Clément, t'as pas de skill, etc. Alors, les gars, je vous précise que je suis sur PC. Donc, là, je jouais avec ça. Voilà. Je jouais clavier souris.
Donc déjà c'est pas la manette les mecs. Donc déjà évidemment le niveau n'est absolument pas le même de 1. Et de 2 il n'y a pas d'aide à la visée sur PC. Donc c'est à dire en gros je devais me démerder. Donc du coup vous savez ce que j'ai fait pour m'améliorer en sniper? J'ai découpé une croix en papier que j'ai foutu en plein milieu de mon écran. Comme ça sans viser je savais à peu près, enfin non je savais si je visais où est-ce que mon viseur allait arriver. C'était une sorte d'aide à la visée à la Blader en gros si tu veux. Enfin bon bref. Donc voilà, c'est sûr que sans aide à la visée sur PC, c'est quand même extrêmement chaud. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas mise. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait la difficulté en ligne. C'est parce que les mecs, en fait, toi, t'as pas d'aide à la visée, donc du coup, t'en chies comme pas possible. Si t'es comme moi, donc t'as toujours joué à l'aide à la visée. Ou alors, c'est que t'es comme ces mecs-là, qui n'ont absolument pas besoin d'aide à la visée pour te niquer ta race. Donc du coup, tu te fais défoncer comme une sous-merde, si t'es dans le même cas que moi. Du coup, t'es en ratio négatif, tu passes de 2,2 de ratio de Black Ops 2 à 1,2. Voilà, tu perds 1, bon, enfin, je suis pas en négatif, mais disons que là, vu, je vais vous dire, putain, mais il a 1,2, pourquoi est-ce qu'il dit négatif, ce con? Parce qu'en fait, toi, au début, toi, je commençais, j'étais bien négatif, mais là, plus le temps passe, plus je descends, là, en fait, là, sur Black Ops de PC. Donc, à mon avis, je vais très bientôt être en négatif, donc, bon, bref, on va arrêter le carnage tout de suite, à mon avis, j'ai arrêté de jouer en ligne, comme ça, au moins, j'aurai toujours le petit level, enfin, bon, bref. Très prochainement, enfin, si je les ai pas déjà mises, je vous mettrai des jeux d'armes sur Call of Duty Infinite Warfare, où j'en ai fait plusieurs. Donc, voilà, cette vidéo va déjà très bientôt toucher à sa fin, j'espère. Bien évidemment qu'elle vous a plu, mais attendez, là c'est pas encore tout à fait fini, là il va rester un petit moment. Ouais, c'est bon, c'est fini. Bref, cette vidéo va toucher à sa fin, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Également, allez vous abonner aux chaînes qui sont dans la description. Également, Maître Yoda, maintenant que j'y pense, voilà, Maître Yoda. YouTubeur fait aussi des vidéos sur code, bref, lien de la chaîne dans la description. Faut aller vous abonner à tous ces youtubeurs, ça leur fera extrêmement plaisir. À moi aussi, moi, je vous dis pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien les amis, à la prochaine. A plus tout le monde. Ouais, regarde, c'est un des carnages, plusieurs fois, des carnages. Ouais. Ça, dans le train, là, ça. Il y a des petits dégâts. Il y a des petits dégâts. Il y a un truc qui est à gauche.